Comment number one, toujours la théologie number one. Comment number one, c'est vraiment number one. Comment number one, c'est un, c'est pas deux, c'est un. Comment number one, never say never because you don't know and you don't have no idea. Félicitations Beleka na Congo number one. Tant que number one tout est beauté, number tout est number one. C'est ça, précisément. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons vraiment bouiller. Presse en boca. Il va na Congo number one, mais internet beaucoup te beaucoup bête Congo number one. T'es na tuni, t'es number one. Tout le monde, number one na tuni. Ils allons Congo number one, Balobi, combo de la prophétie. Vous allez avoir number one à la vie. Merci de participer pour la première fois dans cette émission d'entretien. Alors, on ne vous a pas beaucoup entendu, on aura l'occasion de revenir sur toute cette actualité abondante avec le samedi dernier, la présence du chef de l'État. Vous allez revenir là-dessus, il y a des négociations qui se posent certains à Kampala. Votre regard donc d'un expert de la politique étrangère. Tout de suite donc, place à l'actualité. Dominé, je vous le disais, par les pourparlers qui se poursuivent à Kampala, mais surtout par le discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant le Congrès. Un discours, vous l'aurez remarqué, largement consacré à la situation dans l'est du pays. On va y revenir dans cette émission, mais voici tout d'abord ce résumé. Comme chaque année, les honneurs militaires étaient au rendez-vous pour couronner l'événement. Mais en faisant son entrée dans la salle des congrès, le chef de l'État le sait, l'heure n'est pas à la fête. Les premiers mots de Joseph Kabila sont pour exprimer la gravité de la situation dans l'est du pays. J'aurais bien voulu me livrer à cet exercice dans une ambiance de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Mais hélas, notre pays traverse des moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste lui est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du gouvernement. Le Rwanda, clairement pointé du doigt, voilà ce qu'attendait tout le monde. Une guerre aux conséquences néfastes sur les populations victimes des viols, de pillages. Le président leur exprime sa compassion et dans la foulée, hommage aux soldats tombés au combat. Pas de quoi malgré tout céder à la fatalité. Il est vrai que nous avons il y a peu perdu une bataille. Mais comme dans la vie de l'homme, un échec dans l'existence d'une nation n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est de se ressaisir et de se donner les moyens de se construire positivement dans l'avenir. Désormais, notre priorité est la défense de la patrie, lance ensuite le chef de l'État, avant d'appeler les jeunes à s'enrôler massivement au sein de l'armée, au reste des Congolais, à la cohésion nationale. En cette période de guerre, la mobilisation de tous est requise. Il n'y a pas une république pour la majorité et une autre pour l'opposition. Nous avons une seule république, c'est la République démocratique du Congo. Plus de 30 minutes consacrées largement à la situation dans l'est du pays, le chef de l'État a tout de même réservé quelques lignes au gouvernement, invité à redoubler d'efforts pour donner de l'emploi aux Congolais. Voilà pour ce discours, Léonard Cheikh-Okitundu, le premier du chef de l'État à la nation depuis le déclenchement de cette nouvelle guerre dans l'est du pays. Mais pour la première fois, le chef de l'État a cité le Rwanda. C'est décidément ce que beaucoup de Congolais attendaient. Comment l'avez-vous apprécié ?
Bon, d'abord, ce n'était pas la première fois. Rappelez-vous, lorsque le président de la République allait à Kampala, à l'aéroport de Njili, il avait déjà mentionné le Rwanda. Donc, ce n'est pas la première fois. Et puis, comme vous l'avez remarqué, je crois que le président de la République ne s'était pas encore suffisamment exprimé sur cette guerre à l'intérieur du pays. Il a plutôt fait à l'extérieur, et notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies, et dans d'autres instances où il était question du conflit en République démocratique du Congo. Mais le chef de l'État à l'extérieur, et dans une enceinte diplomatique, il ne peut user qu'un langage diplomatique. Imaginez par exemple à New York, lorsqu'il y avait cette réunion de haut niveau, qui était consacrée à la crise en République démocratique du Congo, d'ailleurs le président rwandais avait claqué la porte. Vous n'imaginez pas que le chef de l'État coupe le fil du dialogue avec celui avec qui nous devons négocier pour le conflit à RDC, commencer à humilier ou même à mettre mal à l'aise l'interlocuteur. Parce que l'on veuille ou non, le Rwanda, c'est effectivement l'agresseur, mais en même temps, c'est le pays avec lequel nous devons négocier pour trouver une solution à la crise. En ce qui me concerne, c'est une crise plutôt internationale. Donc, dans une enceinte diplomatique, le chef de l'État ne peut utiliser que le langage diplomatique. C'est pour ça que tout le monde savait très bien qui était l'agresseur, parce que le rapport des Nations Unies était accablant sur ce plan. Aux Nations Unies, c'est tout le monde entier qui est représenté. Donc, ce n'était un secret pour personne, c'était plutôt un secret de polichinelle. Mais en République démocratique du Congo, c'est autre chose. Et là, en même temps, comme je disais, surtout à l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État n'est pas allé dans un meeting populaire ou un rassemblement des militants ou des fans. C'est dans une enceinte diplomatique. Mais ici, lorsque le chef de l'État fait l'état de la nation, solennellement, devant la représentation nationale, le chef de l'État ne peut que dire la vérité. Et crûment. Et c'est pour ça qu'il a cité. Il a cité l'entente de son discours. C'est choisi délibérément. Non, dès le début de son discours. Dès le début. Et tout ça pour couper court à toutes sortes de spéculations. Et là, ce qui m'étonne, moi, c'est que les gens, j'ai entendu certains opposants dire, voilà, le chef de l'État a eu le courage de citer le Rwanda. Il n'est pas question, je veux dire. Le chef de l'État ne s'est jamais gêné de citer le Rwanda, mais c'est les contextes qui ne le permettaient pas, surtout à l'extérieur du pays. On ne peut pas le faire. Et la preuve que Kagame ait claqué la porte est une illustration, effectivement, de ce que je dis, parce qu'après tout, c'est avec lui que nous devons négocier. Donc, moi, je considère que hier, le chef de l'État était face à la représentation nationale, et la représentation nationale, c'est le Congo dans son entier. Il ne pouvait que dire la vérité et de la manière la plus crue possible. Alors, comment l'avez-vous trouvé, Joseph Kabila? Il a revêtu son costume de commandant en chef De l'homme d'État. Et vous savez que le chef de l'État, c'est par sa nature. Je crois qu'il dit les choses de manière tout à fait solennelle, avec autant de fermeté, mais tout en restant lui-même. C'est ce qu'il a fait hier. Donc, c'est un homme d'État qui s'est exprimé. Et moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est justement cet appel à la cohésion nationale. Je crois que c'est très important. Il faut se rappeler, vous savez, en France, c'est quand même une certaine référence à l'époque lorsque la France était occupée. Mais écoutez, toute la France était unie contre l'occupation. Les communistes, les gaullistes étaient en fait front commun contre l'occupation. Donc ici en République démocratique du Congo, c'est la même. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le chef de l'État est l'incarnation de la nation. Par conséquent, tout le monde doit être derrière lui pour affronter l'agression dont notre pays est victime, parce que l'atteinte à la souveraineté, à l'intangibilité des frontières, c'est quelque chose d'intolérable. C'est vraiment, on est atteint dans notre propre intimité. Et par conséquent, tout le monde doit réagir de la même façon. Et le chef de l'État l'a bien dit, il n'y a pas une république pour l'opposition ni pour la majorité. La république, c'est pour tout le peuple congolais dans son entier. Alors, cohésion nationale. Cohésion nationale. Cohésion nationale, mais ça dépend du quel bord politique, on est. Cohésion nationale, le chef de l'État dit qu'il ne doit souffrir d'aucune conditionnalité. On ne pouvait pas être plus clair. Je crois que c'est justement cela. Il a voulu illustrer ça parce que il n'y a pas de prétexte lorsque la souveraineté du pays est atteinte. Il faut à tout prix que tout le monde, comme dans une même famille, réagissent comme un seul homme contre l'agression. Et ça, c'est extrêmement important. Là, c'est pour balayer les ambitions de ceux qui veulent qu'il y ait négociation au niveau interne. Mais tout à fait. Négociation sur le plan interne. Écoutez, c'est le fameux accord du 23 mars. C'est quand même assez étonnant. Regardez, l'accord du 23 mars avec le CNDP. Et dans l'article premier de cet accord,
le CNDP s'est engagé de manière irréversible à se transformer en parti politique et d'user des possibilités qui sont offertes par les institutions pour faire valoir leurs revendications. Alors, le président d'ailleurs du CNDP et mon collègue actuellement au Sénat, donc tout semblait rentrer dans l'ordre. Alors, ben voilà que tout d'un coup, quelques dissidences prennent l'initiative d'une mutinerie d'abord qui s'est transformée en rébellion aujourd'hui et en même temps s'ériger en bras séculier d'une main étrangère pour la déstabilisation de la République Moticon. C'est étonnant. Mais il faut quand même rappeler, parce que je pense que nos compatriotes savent très bien qu'ils se réfèrent d'ailleurs même à la loi fondamentale, la Constitution de 2006, mais l'article 52 de cette Constitution interdit qu'on use d'une portion du territoire pour mener des activités subversives contre les institutions de la République. Donc ils sont déjà en grande infraction contre la Constitution de la République démocratique du Congo. Et puis ensuite, on ne voit pas quelle démarche le M23 a faite sur le plan institutionnel pour faire valoir leurs revendications. Qu'est-ce qui fait qu'ils aient aussi brûlé les étapes jusqu'à en venir à prendre les armes et servir de bras séculier pour les étrangers? C'est toute la question. On va revenir sur le M23, mais d'abord le discours du chef de l'État. Ouais. Concernant cette cohésion nationale, José Makila, par exemple, ouais, estime que cela ne peut être possible que si on libère les détenus d'opinion, Mokia, Coutinho et les autres. Est-ce que ce sont vraiment des délits et ceux-là auxquels il fait allusion, est-ce qu'ils vraiment ils ont commis le délit d'opinion? Est-ce que c'est pour le délit d'opinion qu'ils sont actuellement en prison? C'est toute la question. Ils sont en tout cas opposés au chef de l'État sur le plan de l'opinion. Je ne sais pas si c'est à cause des infractions politiques et qui sont actuellement en prison. Ça m'étonnerait. Je crois que c'est sur le plan pénal qu'ils sont en prison. Mais ce n'est pas une infraction politique au sens strict du terme. Alors, mais là, vous savez, il y a d'autres manières de résoudre ces questions. Je crois que le chef de l'État est le garant de la nation. Il a toute une marge de manœuvre qui lui permet de prendre des mesures et qui soient favorables à telle ou telle personne. Mais là, ça ne peut pas, à mon avis, être la condition, comme j'ai dit tout à l'heure. Si on commence à poser des conditionnalités, c'est qu'on n'est pas convaincu que la République démocratique du Congo est agressée par l'étranger. C'est ça la question. Alors, et s'il y a des problèmes en RDC, eh bien écoutez, essayons de repousser d'abord l'agresseur et après on régale nos comptes après. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça que le chef de l'État dit qu'il ne peut pas y avoir de conditionnalité. Mais cela dit, le président de la République, c'est le père de la nation. Et c'est à lui, effectivement, de prendre ces mesures qu'il estime utiles dans le cadre de cette cohésion nationale. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre de sa part qu'il a laissé supposer qu'il y aurait une initiative dans ce sens. Mais il n'a pas été très clair là-dessus. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose, à mon avis, qui est en train de se préparer parce qu'il ne l'a pas dit pour rien. Parce qu'effectivement, il est la personne la mieux informée en tant que chef de l'État. Donc le président dispose de tous les éléments d'appréciation qui lui permettent effectivement de fixer le cadre de cette cohésion nationale pour affronter de manière unie l'agression dont nous sommes victimes. C'est un pas positif sur ce que nous avons toujours réclamé, c'est-à-dire le dialogue national, dit-on dans les rangs de l'UNC par exemple. Pourquoi le chef de l'État s'est résout aujourd'hui? Est-ce qu'il il a atteint les limites pour aujourd'hui en appeler à la cohésion nationale? Non. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Le dialogue dont parlaient certains opposants, c'est sur le plan interne. C'est-à-dire qu'ils veulent remettre en cause les institutions de la République. Ça, c'est autre chose. Mais la cohésion dont on parle ici, c'est contre l'agression externe. C'est là la différence qu'il faut faire. Donc, il faut d'abord repousser l'agression et après, sur le plan interne, on verra. Mais encore une fois, il faut qu'on se rappelle que les institutions existent et toute personne qui a des revendications à faire valoir n'a qu'à utiliser la voie institutionnelle. Est-ce qu'on donne aujourd'hui raison quand même à l'UNC qui voulait quand même cette sorte de cohésion, même s'il parlait de dialogue national? Oui, c'est-à-dire, si c'est contre l'agression, ben il a raison. Mais si c'est pour remettre en cause les institutions actuelles issues des élections de l'année passée, là c'est une autre manche. Donc déjà ça, je n'y crois pas. Alors, Joseph Kabila, commandant-chef, la priorité, dit-il, c'est la défense de la patrie. Il y a cette cohésion nationale voulue par le chef de l'État, mais il y a aussi le bâton qu'il faut renforcer, c'est-à-dire l'armée. Tout à fait, parce que qui veut la paix prépare la guerre. Mais cela dit, la guerre doit toujours être l'ultima ratio. Rappelez-vous, quelle que soit
le déséquilibre qu'il y avait à Goma par rapport au M23, aidé de manière tout à fait substantielle par le Rwanda et l'Ouganda, je pense que si la guerre avait eu lieu dans la ville de Goma, hein, il y a eu des affrontements, mais si on a laissé la ville de Goma devenir le théâtre des affrontements, ça aurait été catastrophique sur le plan humanitaire et même sur le plan matériel. Donc c'est pour cela que le chef de l'État a voulu privilégier la diplomatie pour régler la question de l'occupation de la ville de Goma plutôt que d'utiliser les affrontements, malgré le déséquilibre qu'il y avait entre les forces. Donc c'est quand même un élément important qu'il faut souligner. Alors, maintenant, la République démocratique du Congo, parce que le chef de l'État a mis toutes les options sur la table, c'est-à-dire diplomatique, militaire et en même temps politique. Alors, sur le plan diplomatique, vous avez vu que bon, la dernière initiative en date, c'est la conférence de la SADC à Dar es Salaam. Et là, c'est la question congolaise qui était à l'ordre du jour. Et là, quelques initiatives ont été prises pour essayer de régler le conflit à l'Est. Notamment, les forces en attente des pays membres de la SADC sont mobilisées. Mais même la Tanzanie aussi était tout à fait prête à envoyer tout un contingent, je crois, des militaires tanzaniens pour l'Est de la République. Donc c'est déjà... On parlait de 4000. Bon, les 4000. Bon. Maintenant, sur le plan politique, bon, les fameuses discussions à Kampala, donc ça continue. Et puis ensuite, maintenant, sur le plan militaire, même si dans l'immédiat, il n'est pas question d'utiliser la force, il n'empêche qu'il faut être prêt à tout moment. Et avec la mésaventure qu'on a vécue à Goma, il faut cette fois-ci que la RDC prenne ses responsabilités pour avoir une défense qui soit digne de la République démocratique du Congo, donc de la grandeur de ce pays. On ne peut pas permettre à des aventuriers de comme ça attenter à ce qu'on est considéré pour nous comme quelque chose de vraiment intime à la République démocratique. Et vous, responsable politique, invité à sensibiliser les jeunes à s'enrôler massivement au sein des CFRDC. Vous avez certainement suivi Runiga, qui est le chef politique du M23, qui dit que cette armée impayée est démobilisée, ne peut pas se battre. Est-ce que les jeunes peuvent avoir envie d'y aller? Mais tout à fait. Et puis, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit... Vous savez, on a une armée qui correspond à nos moyens. Et là, encore une fois, la République et nous, par exemple, parlementaires, autorités budgétaires, nous devons réfléchir pour voir comment on peut dégager le moyen qui puisse permettre à notre armée de disposer des conditions de sa mission. Ça, c'est vraiment important. Et là, encore une fois, il faut quand même le dire. Dès lors qu'il s'agit de défendre la République, on ne peut pas dire qu'il faut d'abord avoir des moyens pour défendre la République. Je pense que là, la défense de la République passe avant tout. Et moi, je me rappelle, par exemple, lorsque l'Iran était menacé par l'Irak, je crois que vous avez vu un déferlement des Iraniens pour affronter une armée qui était équipée de manière sophistiquée. Mais là, pour les Iraniens, la défense du pays passait avant toute autre considération. Donc, mais on ne va pas dire envoyer des gens, si vous voulez, au casse-pipe. Ce n'est pas ça le problème. Mais je crois que la première des choses, c'est la détermination, c'est-à-dire l'esprit de sacrifice, l'esprit d'abnégation pour défendre la République. C'est ça qui doit animer d'abord un patriote. C'est d'abord ça. Les moyens viennent après. Si on est vraiment déterminé à défendre la République, à considérer la République comme sa propre affaire, je crois que déjà on aura déjà accompli un grand pas qui peut nous mener, n'est-ce pas, avec des résultats conséquents. Donc, allez, puis les moyens viennent après, mais en tout cas, en tant qu'autorité budgétaire, nous devons tout faire pour donner à l'armée les moyens et qui lui permettent d'affronter ce genre d'événements. Voilà, donc pour ces discours, on reviendra peut-être sur d'autres questions, parce qu'il a aussi été question de l'économie qui est stable, saluée par le chef de l'État. On va y revenir, direction Kampala maintenant. Ouais. Question à un expert en diplomatie que vous êtes. Kampala, pointé aussi du doigt, même si tout cela n'est pas encore officiel aujourd'hui, mais qui parraine, c'est pour parler. Est-ce que c'est pas gênant? Oui, tout à fait. Vous savez, nous, on ne peut pas nous mettre à la place du chef de l'État, qui a des éléments d'appréciation qui nous dépassent. Mais là, je crois que moi, j'avais émis mes réserves à l'époque. Et puis, ce qu'on vit actuellement, c'est la répétition de l'histoire. Rappelez-vous, je crois que ces deux pays nous agressent pour la énième fois. Donc, ce qu'on vit n'est pas surprenant. Je crois qu'il fallait s'y attendre.
Alors, le grand problème, c'est quoi? Le rapport d'experts des Nations Unies pointe le Rwanda et l'Ouganda pour les commanditaires du M23 et de l'agression donc de notre pays. Alors, il y a un problème. Et puis, effectivement, tout à fait par hasard, ce Ouganda qui préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et puis ce Museveni, donc le président de l'Ouganda, qui est considéré comme médiateur dans le cadre de cette conférence. C'est quand même, pour le moins, étonnant. Hein. C'est ça toute la question. Et c'est pour ça que moi, j'aurais préféré que, s'agissant de la question congolaise, même si nous sommes dans une conférence régionale sur les Grands Lacs, présidée par l'Ouganda, je pense que, s'agissant de la question congolaise, on aurait dû charger un autre chef d'État pour s'occuper de ce problème et, en même temps, chercher une autre capitale où les Congolais seraient à l'aise pour parler et dire exactement ce qu'ils ont sur le cœur, plutôt qu'à un moment donné, être contrainte par une certaine obligation de réserve parce qu'on se trouve dans le pays d'accueil qui est lui aussi agresseur. Mmh. C'est là le problème. Mais comme vous savez, le chef de l'État a toujours dit, partout où on parle de la paix pour la République démocratique du Congo, il ira et il enverra des émissaires. C'est la concession importante que nous avons faite, mais c'était aussi pour le président de la République une manière de mettre à nu les machinations de l'Ouganda et puis les contre-vérités du M23. Et c'est ce qu'on voit maintenant, on a entendu tout à l'heure le débat sur RFI. Je crois que c'est à peu près cela. Je crois que le chef de l'État voudrait mettre à nu ces contradictions, mais en tout en sachant très bien que, bon, ben, on est très mal à l'aise à Kampala, mais l'essentiel, c'est qu'on finisse par trouver une solution à la crise qui nous oppose à ces deux pays. Alors, la pression du gouvernement, c'est de patienter jusqu'à la fin du mandat de l'Ouganda, d'ici, je crois, fin décembre, début janvier. Effectivement. Sur le plan tactique, c'est aussi ça. En attendant, on peut nous écrabouiller. Bon, comme vous l'avez remarqué, je crois que, et pour le moment, moi j'ai toujours considéré ce conflit comme un conflit international. Et il faut éviter d'internaliser le problème. Parce qu'on serait même en contradictoire. Vous ne pouvez pas en même temps dire que l'Ouganda et le Rwanda sont des agresseurs, et puis en même temps considérer maintenant le M23 comme un véritable interlocuteur pour la recherche de la solution qui prévaut en République démocratique du Congo. Je crois que non, la solution viendra d'un sommet tripartite entre les trois chefs d'État. Là, on est en train de passer le temps avec le M23 à Kampala. Bon, tout à fait. C'est aussi une manière de préparer le fameux sommet d'où proviendra la solution à la crise. Parce que cette fois-ci, à mon avis, et sinon, ce serait chaque fois un fâcheux précédent. Je crois que, comme le chef de l'État l'a dit, il faut faire de cette crise une opportunité pour la recherche d'une solution durable. Il ne faudrait pas qu'on vive dans des crises à répétition, donc la répétition de l'histoire. Ça, il faut éviter. Cette fois-ci, il faut trouver une solution durable. Par conséquent, je pense que prochainement, on verra les résultats, l'évolution de ces discussions à Kampala. Je crois que pour l'instant, la diplomatie est en marche, en attendant effectivement la fin de l'année et peut-être la passation de pouvoir entre le président Museveni et un autre chef d'État. Et à partir de ce moment-là, je crois que la question sera examinée sur le plan international, avec une médiation aussi internationale. Et là, neutre en tout cas. Et neutre, effectivement. Et là, ça prendra une autre dimension. Mais j'ai toujours dit, le chef d'État a dit qu'il y a trois options diplomatiques. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyobozelaki, Pona, ba papa, ba maman, Bana, Mpeli, Bota, Mobimba, Yangoyo. Ngonge Betty, adorons l'éternel, adorons le grand roi, avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, pona bana, peli bota mobimba, pe na ba fête nyonso bolingaka, album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu,
Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Parce que lobby est ça, t'as là le frère Marius Numbuma, zongi de soussoyer par la vie. Bien aimé, bon dit ma boy en bas, album Oyo, tu es capable. N'angolo en Zambé, album Oyo, bon, dès que j'ai la mini, à Paris, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe, voici l'album, tu es capable. Je suis un peu malade. Promotion à Paris chez Capem. Promotion pour les fêtes. Capem Mukondi Agence. Capem Agence Yabananzam. Promotion chez Capem. Kozanga Tendeko. Yakamba na Capem. Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Donc il y a 9h pour 10h pile. 10h pile, 10h 2 minutes, ma bien dans la Kingo, c'est bon. Ah ouais, tout travers ma manière. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail capemparis-du6multimo@hotmail.fr. Politique, il ne faut pas oublier une autre dimension, c'est la dimension judiciaire. Je rappelle à nos compatriotes que le Gonda a été condamné pour agression de la République démocratique du Congo. Déjà, il y a plusieurs années maintenant, et le Gonda nous doit énormément d'argent en matière de dédommagement. Alors, à la Cour internationale de justice. Oui, je crois que la moindre des choses, avant même, parce que comme je l'ai dit sur l'autre chaîne, je crois que c'est une récidive, il faut qu'au niveau gouvernemental, on ressaisisse la Cour internationale de justice pour stigmatiser cette récidive en matière d'agression et en même temps demander même à la Cour internationale de justice de statuer sur les mesures provisoires à prendre. Je crois que c'est aussi une piste importante. Parce que sur les mesures provisoires, généralement, le traitement des requêtes là-bas est très lent, mais s'agissant des mesures provisoires, la Cour peut statuer séance tenante. Et là, une décision judiciaire peut avoir un impact important sur le plan diplomatique. Donc il y a aussi une option, n'est-ce pas, qui reste en cette matière. Avec le Rwanda qui est au Conseil de sécurité de l'ONU, vous pensez que c'est facile? Non, à la Cour internationale de justice, c'est un organe vraiment judiciaire. Là, c'est tout à fait clair. L'autre problème, c'est que ça dépend toujours du Conseil de sécurité. Non, pour la Cour internationale, c'est l'exécution du jugement qui pose problème. Ah oui. Mais la décision contre l'Ouganda, par exemple, existe.
Et si la Cour se prononce encore une fois sur les mesures provisoires, je crois que ce sera un début de condamnation, encore une fois, de l'Ouganda. Bon, pour ce qui concerne le Rwanda, puisque il n'a pas reconnu le principe de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice, la seule possibilité qui nous reste, c'est sur le plan politique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, le désavantage que nous avons, pour l'instant, voilà, c'est que le Rwanda sera membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, ça pose quand même certains problèmes. Alors, pour éviter, comme au Conseil de sécurité, c'est un organe, comme je l'ai souvent rappelé, éminemment politique, là, ce sont les intérêts qui comptent, hein, donc ça, on ne donnera pas raison à tel pays parce qu'elle a réellement raison, on regardera quels sont les intérêts des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors là, il nous faut, de notre part, une offensive diplomatique extrêmement importante auprès d'autres membres du Conseil de sécurité, qu'ils soient permanents ou non permanents. Alors, on doit voir la configuration du Conseil de sécurité, et ces pays, je pense que la République du Congo doit envoyer des émissaires auprès des gouvernements de ces pays membres permanents pour faire entendre notre voix et leur demander de traiter la question congolaise avec toute l'importance que cela revêt, et en même temps, le bien fondé de la cause congolaise. Il faudrait que cette cause soit traitée en toute impartialité et éviter que le Rwanda n'utilise sa présence au Conseil de sécurité pour ne pas donner gain de cause à la République démocratique du Congo. Donc là, on doit être vigilant. Et nous savons très bien les pays qui soutiennent le Rwanda au Conseil de sécurité particulièrement. Les États-Unis particulièrement. Avec Suzanne Rice. Bon, je ne veux pas ici stigmatiser, mais indépendamment. Il n'y a pas que Suzanne Rice. Vous savez qu'on discutait avec le corps diplomatique dernièrement. Le Rwanda a une campagne des relations publiques qui est extrêmement agressive. Et là, nous sommes un petit peu en retard. Il faut qu'on se réveille. C'est pour ça que je demande, en tout cas, nous devons renforcer notre mission diplomatique à New York. Il faut que cette mission ait des moyens de sa mission. C'est très important. Et en plus, même Washington, un pays qui compte, parce que les États-Unis sont un pays important, et le lobby pro-rwandais aux États-Unis est plus efficace. Puissant, nous devons renforcer les deux missions dans les deux capitales des États-Unis d'Amérique. Et en même temps, à Genève, j'insiste beaucoup à Genève, nous devons renforcer notre mission à Genève, parce que Genève travaille en concertation avec New York, et beaucoup d'agences des Nations Unies sont à New York, et c'est là que l'information circule. Nous devons avoir des gens qui soient vigilants pour défendre la cause de la République démocratique du Congo par une grande campagne d'information. Mmh. Alors, c'est en tout cas que sur le plan de la représentation de la RDC à l'étranger, c'est déplorable. Hein? Les diplomates n'ont pas les moyens. N'ont pas les moyens. Mais c'est vrai que nous avons passé des moments difficiles. La carence de moyens pour les missions diplomatiques ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Mais vu le contexte de guerre dans lequel nous sommes aujourd'hui, et que la guerre est souvent aussi diplomatique et communicationnelle, moi je pense qu'il y a des missions que nous devons isoler et considérer comme des missions déterminantes, des missions stratégiques, où les moyens doivent être donnés aux diplomates pour mieux défendre la République démocratique du Congo. Donc je rappelle encore une fois, Addis Abeba, Genève, New York et Washington doivent être renforcés. Et effectivement, Paris, Bruxelles, ça va encore, mais Paris aussi doit être renforcé pour que la cause de la République démocratique du Congo soit mieux défendue. Et n'oublions pas Moscou, qui est aussi une capitale importante, parce que la Russie, on l'oublie souvent, la Russie est un pays important et qui nous a beaucoup défendu pendant la guerre, et d'ailleurs même actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je rappelle que lors de la discussion qu'il y a eu dans la crise congolaise, il était question qu'on cite nommément le Rwanda dans la résolution du Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo. Mais quels sont les pays qui étaient en flèche pour qu'on cite la RDC? Bizarrement, c'était la Grande-Bretagne, la Russie. Ce sont les deux pays qui ont insisté pour que le Rwanda figure nommément sur la résolution du Conseil de sécurité, mais ce sont les États-Unis qui se sont opposés. Donc il faut pas, il y a des pays qu'on ignore, qu'on laisse de côté, mais qui peuvent nous être d'un appui déterminant pour la défense de la cause congolaise. Un peu ce que vient de faire la confession religieuse qui s'est été déployée partout dans ces différentes capitales que vous venez de citer. Tout à fait. Mais il faut la diplomatie classique. Classique, effectivement. Mais en même temps, ça c'est une diplomatie de la société civile. C'est aussi important parce que la société civile, c'est aussi en même temps l'opinion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les différents lobbies. Alors, la manière dont ils font, leur travail est aussi important. Mais il ne faut pas oublier aussi la diplomatie parlementaire. Hein. On l'a dit, et le chef de l'État d'ailleurs a demandé
à l'Assemblée nationale et au Sénat de s'impliquer dans cette crise. Et je crois qu'il y a des initiatives qui ont été prises à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et je crois que bientôt, après peut-être la fin de la session extraordinaire, les batteries sont mises en marche pour que cette diplomatie se déploie. On peut compter sur la France. Bizarrement, on a dénoncé les attitudes du chef d'État français ici chez nous. Mais après, c'est la France qui hausse quand même le ton aux Nations Unies en notre faveur. Et ce n'est pas la première fois. La France a toujours défendu la République démocratique du Congo, même lors de la crise précédente. La France a toujours été en flèche pour la défense de la République démocratique du Congo. En fait, la France fait la part des choses entre la défense de l'intégrité territoriale, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de la République démocratique du Congo et d'autres revendications sur le plan éventuellement de la gouvernance et même des droits de l'homme. Mais il faut quand même reconnaître, il ne faut, pas essayer de surestimer l'attitude du président français. Je crois que c'est des choses qui vont pouvoir se régler. Mais pour l'instant, la France est un pays qui, pour nous, est stratégique dans la défense de la cause congolaise. Juste à côté de chez nous, à côté du fleuve, Brazzaville est prêt à aider. Denis Sassou Nguesso l'a dit, c'est possible cette solution-là. Vous savez, dans la recherche d'un pays neutre, effectivement, le Congo-Brazzaville aurait été une terre appropriée plutôt que Kampala. Donc, bon, on va voir l'évolution de la situation à Kampala. Au cas où, à un moment donné, les choses se bloquent, je pense qu'il faudrait entrevoir la possibilité pour un autre pays qui accepterait d'accueillir ces discussions pour que la discussion soit beaucoup plus sereine dans l'intérêt particulièrement de la République démocratique du Congo. Si on veut aller à Brazzaville, on sait que le président Sassou a commencé par Kampala avant de venir chez nous. Est-ce qu'en diplomatie, ça n'a pas une signification? Bon, il faut quand même reconnaître, le président Sassou avait déjà amorcé la discussion ici, en République démocratique du Congo, lors du sommet de la francophonie. Et c'est après seulement qu'il est allé à Kigali. Et après Kigali, il a vu le président de la République pour lui faire le compte-rendu de ses entretiens. Donc, au fait, pour l'instant, mais vous savez, c'est au chef de l'État d'apprécier, c'est lui qui est le chef de la diplomatie. Donc, lui, il a une marge de manœuvre qui lui permet de trancher sur la possibilité pour la République du Congo de servir de terre d'accueil plutôt pour ces discussions. Ce ne sont que des propositions jusque-là. En tout cas, vous estimez que la solution doit passer par les chefs d'État, alors que on l'a entendu, le M23 continue à dégrainer ses revendications. Ce ne sont plus que les accords de Goma. Vous avez suivi la démocratie, les élections du 28 novembre. C'est un cahier des charges consistant qui est développé à Kampala. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, regardez, discutez avec le corps diplomatique ici, regardez les rapports des experts des Nations Unies, le M23 est considéré comme un mouvement négatif au même titre que le FDLR. Avec lequel on discute quand même. Mais voilà. Alors, vraiment, ce mouvement est disqualifié pour faire valoir autant de revendications qui ne tiennent pas debout. C'est toute la question. C'est pour ça que, et sans les appuis extérieurs, le M23 n'existerait pas. C'est pour ça que le conflit est d'abord international. Mais, comme on l'a souvent rappelé, dès lors que ces gens ont pris des armes, ce n'est pas une prime à la prise des armes, mais il faudrait ne leur donner aucun prétexte. Donc s'il y a une possibilité de les écouter, de les entendre, il faut quand même user de cette possibilité-là. Mais pendant ce temps, la diplomatie classique, au sens international du terme, est en marche, se déploie pour qu'on règle ce conflit une fois pour toutes. Je crois que les deux pays qui nous agressent aujourd'hui, et vous me voyez parler vraiment à l'aise, pour avoir été ministre des Affaires étrangères et avoir eu à croiser le fer avec ces deux pays, moi je pense que le Rwanda et l'Ouganda devraient cesser d'agresser la République démocratique du Congo. Il faut qu'on se réunisse ensemble pour trouver une solution durable, parce que je ne pense pas du tout qu'ils puissent éternellement se comporter de cette façon, parce que après, ce sera comme un boomerang. Et je crois que le chef de l'État l'a dit, toute tentative prochainement serait suicidaire. C'est que aujourd'hui, nous sommes atteints dans notre amour propre et on a la sortie est griffe là. Tout à fait. Et donc cette menace n'est pas à prendre à la légère. Donc cette fois-ci, je crois que les Congolais, comme on a dit, il faut faire de cette crise une opportunité. Il faut qu'on prenne conscience que la République démocratique du Congo ne saurait tolérer
de vivre les situations telles que nous les vivons actuellement. Vous pensez qu'il faut passer à une diplomatie agressive? Absolument, diplomatie agressive. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, et ne pas nous enfermer dans le cadre régional. Non, la crise est internationale, et nous pouvons avoir des appuis qui viennent de loin. Donc c'est pour ça que nous devons porter notre message auprès d'autres instances. Hein. Mais par exemple en Afrique ici, et il n'y a pas que la SADC, il n'y a pas que la CAC ou même le COMESA. Il faut aussi porter l'affaire devant la CDAO, il faut porter l'affaire devant le Maghreb, il y a la Ligue arabe, et l'organisation de la conférence islamique, la CEAN en Asie, mais l'Union européenne, on a déjà discuté avec eux, mais même pour l'Union européenne, il faut voir chaque pays séparément pour faire entendre notre voix et ne pas se contenter de voir la Commission européenne seule réagir. Je crois que les pays doivent être rencontrés individuellement. Mmh. Donc vraiment, la cause congolaise doit être entendue partout dans le monde si nous voulons être forts sur le plan diplomatique. Et la diplomatie, ne l'oublions pas, c'est une autre manière de mener la guerre. C'est-à-dire, quand on compte pour la diplomatie, on ne veut pas dire qu'on est défaitiste sur le plan militaire, pas question. C'est une manière de renforcer aussi notre défense nationale. Cela doit être accompagné aussi d'une bonne communication médiatique. Une bonne communication, je dis sincèrement, la guerre est essentiellement diplomatique et communicationnelle. Mm-hmm. En tout cas, au niveau du Rwanda, on voit les choses différemment. Ouais. La ministre des Affaires étrangères n'arrête de répéter, c'est un problème congolo-congolais. Non, mais pas du tout. Et puis, vraiment, est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères rwandais peut donner de leçons à la République démocratique du Congo? Chez nous, il y a une démocratie, elle a ses imperfections, on peut reconnaître, mais le Rwanda est tout sauf un pays démocratique. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, si nous avons des problèmes à la République démocratique du Congo, c'est la nature dictatoriale du régime rwandais. Il faut pas oublier. Vous savez, c'est que les Blancs n'ont pas réussi en Afrique du Sud, c'est-à-dire pouvoir dominer la majorité au Rwanda. La minorité ne pourra pas gouverner au détriment de la majorité, c'est impossible. Donc, et ces ajustements. Et c'est pour cela que, vous voyez, c'est une manière de détourner l'attention sur le plan interne et vers un danger qui provient de l'extérieur. Et d'où le fameux prétexte de FDLR. Voilà, les FDLR qui seraient chez nous et qui menaceraient le Rwanda et qui donneraient le prétexte au Rwanda pour s'introduire chez nous comme dans une auberge espagnole. Ça, il faut éviter. C'est pour ça que même ici, en République démocratique du Congo, et ça, vraiment, je le rappelle à tous nos compatriotes, la faveur dont bénéficie le Rwanda actuellement sur le plan international, c'est justement cette fameuse victimisation, et l'éternelle victimisation qu'il faut chaque fois rappeler. Ces gens ont été victimes d'un génocide et qui a bouleversé le monde entier et qui leur attire une certaine sympathie. Alors, cette sympathie-là, ils l'exploitent à tort et à travers, mais pour l'instant, il faut qu'on soit réaliste. Même si c'est une exploitation pour leurs propres intérêts qu'ils font de cette victimisation, nous devons prendre compte de cela et ne pas donner l'impression dans notre pays qu'on serait de connivence, qu'on serait en complicité avec le FDLR pour mener des actions au Rwanda. Pas question. Le Congo ne peut pas servir de terre d'accueil pour des gens qui veulent déstabiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire de FDLR alors? Alors, justement, c'est la question importante qu'il faut régler, et aussi, encore une fois, sur le plan diplomatique avec la communauté internationale. Donc, et là, quand le chef de l'État parle de l'armée, c'est la défense nationale. La défense nationale doit d'abord faire en sorte que l'autorité de l'État, le chef de l'État l'a dit dans son discours, soit étendue sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, et particulièrement dans l'ensemble du territoire du Nord Kivu, pour ne pas permettre à n'importe quel mouvement de déstabiliser un autre pays qui devrait de prêter à ce pays de s'introduire chez nous. Ça, c'est vraiment important. Donc, l'éradication du FDLR est extrêmement importante. Et puis ensuite, il faut que dans notre pays, on évite toute stigmatisation. Le chef de l'État l'a dit. Le Congo est grand dans sa diversité. Il faut respecter tous les Congolais. Chaque Congolais est chez lui dans n'importe quel coin de la République. Ça, c'est extrêmement important. Et de cette manière-là, effectivement, nous pouvons tout faire pour ne pas donner des prétextes à l'extérieur. Parce qu'il y a deux prétextes qu'utilise Kigali. D'une part, le FDLR qui proviendrait chez nous. Et d'autre part, la menace dont serait victime la communauté tutsi en République démocratique du Congo. Non, j'ai dit absolument empêcher ça. Mais voilà, j'ai dit cette communauté tutsi en République démocratique du Congo doit être fière d'être congolaise parce qu'ils sont des Congolais et en ce moment-là être patriote et défendre la République démocratique du Congo s'ils ont des problèmes qui s'adressent aux institutions de la République et non pas en référer à une puissance extérieure pour prendre leur défense. Et puis il ne faut pas non plus qu'ils cèdent
aux aventures des extrémistes tutsis qui sont actuellement au nord et au sud Kivu, et qui peuvent les entraîner dans des aventures tout à fait suicidaires. Il faudrait qu'il prouve au peuple congolais son appartenance à la nation congolaise et en ce moment-là accepter de chercher des solutions à leurs problèmes dans le cadre des institutions de la République. En tout cas, il y a la communauté Banyamulenge qui a rejeté ce combat du M23. On ne peut pas prendre les armes en notre nom, viennent de déclarer quelques membres de cette communauté au gouverneur Chisambo. C'est qu'il faut saluer d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous avons des grands amis ici qui font partie de la communauté de ceci. Et rappelez-vous, d'ailleurs, au début des années, à la fin des années 90, la manière dont on a pris la défense, effectivement, de cette communauté pour qu'elle ne soit pas menacée. Effectivement, ces gens sont des Congolais comme nous-mêmes. Par conséquent, ils doivent se sentir patriotes et ne pas céder aux pressions d'une puissance extérieure. Peut-être un dernier mot sur ces pourparlers. Le M23 qui tient à reprendre l'administration politique de Goma en cas d'échec à Kampala. Est-ce que vous y croyez? Moi, je n'y crois pas. Et c'est pour ça, rappelez-vous que les pressions diplomatiques ont fait que le M23 se retire, même s'ils sont à 3 ou 6 km au lieu de 20 comme il a été prévu. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de mouvement de rébellion qui puisse résister un seul instant à l'armée nationale congolaise, quelles que soient les faiblesses de celle-ci, si ce mouvement ne dispose pas d'un appui dans un pays comme base arrière. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, si le Rwanda et l'Ouganda cessent leur appui au M23, le M23 n'existera plus. Et par conséquent, nous devons tout faire sur le plan diplomatique pour que les combats ne reprennent pas. Et cette éventualité que fait entrevoir le M23 de réoccuper la ville de Goma, je crois que cette fois-ci, le M23 devrait réfléchir à deux fois avant de tenter une telle aventure. Voilà, il n'y a pas que la sécurité dans la vie. Serait-on tenté de dire, le chef de l'État a brossé quelques lignes économiques, l'économie qui se stabilise, mais la stabilité du cadre macroéconomique ne suffit pas. Les Congolais ont besoin d'emploi. Tout à fait. Vous savez, quand nous sommes en crise, souvent on met en exergue le rétablissement des équilibres macroéconomiques, parce qu'on estime que sans ces équilibres macroéconomiques, effectivement, mais la gestion du pays ne va pas bien. Mais en même temps, c'est aussi tout le grand problème entre l'austérité, hein, et même la croissance et la croissance créatrice d'emplois. Je crois qu'il ne faut pas qu'on mette tout le temps l'accent sur les équilibres macroéconomiques. Il faut qu'on pense au sort de la population. Est-ce que ces équilibres sont compatibles avec le social des Congolais? C'est tout le problème. Donc il faut trouver un équilibre entre la manière de préserver le cadre macroéconomique et en même temps chercher des solutions pour qu'il soit possible pour améliorer le quotidien des Congolais. Et c'est ce que effectivement le chef de l'État a voulu dire. Et moi, à mon avis, je suppose que le président de la République a voulu s'adresser un peu au Fonds monétaire international. Pas au gouvernement. Pas nécessairement. Je crois qu'au Fonds monétaire international, après ce qu'on a vécu dernièrement, parce que honnêtement, je n'ai pas beaucoup apprécié l'intervention du représentant du FMI dernièrement. Il est là pour accompagner la République démocratique du Congo. Et ce pays est en train de procéder à sa reconstruction. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas tout à fait vraies. Mais au lieu de faire de telles déclarations, comme il l'a fait dernièrement, qui puissent dissuader les investisseurs potentiels qui veulent venir chez nous, il faut qu'il prouve qu'il a épuisé toutes les voies de discussion possibles avec le gouvernement congolais avant de les lancer à des déclarations aussi incendiaires. Mais c'est vrai, on peut aussi conclure que le gouvernement doit tenir compte de ce qu'a dit le chef de l'État. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyobozela qui Pona, ba papa, ba maman, bana, mpeli, bota, mobima, yangoyo, ngonge, beti. Adorons l'Éternel, adorons le grand roi avec Casarema.
à consommer sans modération. Adorons les grands rois sur support DVD, s'il vous plaît. Avec une plaie des chansons mythiques telles que « Tout doit changer au nom de Jésus ». Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, pona bana, pe li bota mobimba, pe na ba fête nyonso bolingaka. Album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. Parce que lobby est aïe. Dans le frère Marius Lumumba, Zongi de Soussoye, Panagino. Bien aimé, bon dit ma boy, yamba, album Oyo. Tu es capable. Nangolo en Zambé, album Oyo, Bordeaux, cause de la Mingi, à Paris, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Tu es capable. Mibale bazo bela maladi moko baza na hôpital moko médecin moko zo traité bango nyonso mibale mais moko a kufi moko a biki ezaka ngo ningi na lobby boye baki na lobby ya moto moto a ebite to ebani mité matin bala oyo bana na nzambe nyonso ya mokili bo bana biki bozo londanga na www.kazarema.fr bala oto lobby nzamba za roulage. Promotion à Paris chez Capem. Promotion pour les fêtes. Capem, Mukondi Agence. Capem, agence Yabananzam. Promotion chez Capem. Kozanga Tendeko. Yakamba na Capem. Otinda biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Donc, il y a 9 heures pour 10 heures pile. 10 heures pile, 10 heures, 2 minutes, mais bien, il y a une kingo, c'est bon. Ah, ouais, tout à fait, on va aller. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail capemparis-du6multimo@hotmail.fr. Eh, Banamboka! DocTrade Conseil, c'est la solution. Osa Congolais, ah, osa chanceux. DocTrade Conseil est la solution pour tous les problèmes qui vous tourmentent. Osa étudiants congolais, DocTrade Conseil est là, il paye votre caution. Osa interdit bancaire, DocTrade Conseil lève l'interdiction bancaire. Osa locataire, olingio comme propriétaire, DocTrade Conseil est la solution pour vous, pour devenir propriétaire. En tout cas, ngai vraiment makambuya boy. Na kotika kana katia DocTrade Conseil. Eh, na linga kina bosana. DocTrade Conseil est là pour tous les Congolais qui ont des permis du Congo. Il vous assure. En tout cas, assurance à boy. Il n'y en a jamais eu ailleurs. Number one, toujours la théologie number 1. Congo number 1, c'est vraiment number 1. Congo number 1, c'est 1, c'est pas 2, c'est 1. Congo number 1, never say never because you don't know and you don't have no idea.
félicitations et belé quand la Congo number one. Number one. Tant que le number one, tout c'est beauté. Number two, tout number one. C'est ça, président Raboui. Ils allaient rabouiller quoi? Ils allaient vraiment bouiller. Presse en boca. Ils vont na Congo number one. Mais internet beaucoup t'as beaucoup bête Congo number one. Tina Tuni t'es number one. Tout le monde a la même na Tuni. Ils allaient Congo number one. Congo number one va lobby. Combo la prophétie. Vous allez avoir number one.